de la conciliation. Et monsieur le directeur national de l'infrastructure judiciaire et pénitentiaire, mais aussi le monsieur le directeur général du centre de formation judiciaire. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous le procureur général adjoint de la Cour pénale internationale, accompagné de son cabinet. Ils sont en mission en Guinée pour observer, évaluer tout ce qui se fait dans le cadre des préparatifs du procès des événements du 20 septembre. Ce matin, chers confrères des médias, vous avez l'opportunité justement de poser des questions à la Cour pénale internationale, par la voix de monsieur le procureur général, le procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Nous allons faire un coup de but, et après prière est faite à tout le monde d'accepter de poser des caméras sur les pieds ou à défaut de se mettre à l'extrémité pour permettre à tout un chacun de pouvoir observer et de poser des questions. J'observe aussi la présence du directeur national adjoint de la législation, mais aussi du directeur général du bureau de la stratégie de développement du département de la justice. Si c'est bon, et nous devons être éveillés, c'est que on va permettre à tout le monde de voir. Disons ça. Moussa, tu allumes les croix et tu les mets comme ça. Moïse. Moïse. Les deux. Les preneurs de vue. Madame la secrétaire générale, monsieur le procureur général, monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, je porte à votre connaissance qu'en même temps que nous procédons à cette conférence de presse, il y a des médias qui sont en direct. Et donc, je pense que cette information a aussi dans le sens. La justice s'est engagée par la voix de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des examens, commandant de la chef aussi des armées, le président de la transition, pour guérir ce conseil. Depuis justement les faits jusqu'aujourd'hui, nous sommes à 13 ans. Et ce matin, après deux jours bien remplis de mission sur le terrain, la CPI s'adresse aux médias pour donner leur vision large de ce qu'ils ont pu constater sur le terrain. Si vous voulez, les médias, on peut commencer. Donc,
qui nous acquiert, Madame la Secrétaire Générale, de nous permettre d'ouvrir cette conférence de presse. Merci, Madame. Aujourd'hui, la parole est à la Cour pénale internationale. Et Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, je vous donne encore le nom du secrétaire de la région de Nord, c'est Pam Nanjaï Nyang. Alors, Monsieur le procureur, vous avez la parole. Deux étages.
l'âge a commencé par le rez-de-chaussée, les salles d'audience qui sont prévues pour cela, les salles aménagées pour les avocats, pour les détenus, pour les victimes. Et vraiment, ce que j'ai vu, sans exagération, m'a impressionné autant que ma délégation. C'est vraiment des locaux extrêmement adéquats, des locaux extrêmement modernes, avec toutes les facilités. Et bien entendu, l'entrepreneur qui a opéré à visibilité, en fait, a tenu par le détail à nous montrer aussi l'état de fonctionnalité, que ce soit les robinets, pour nous montrer que l'eau marche, l'électricité marche. Même la sécurisation, tout a été passé en revue. J'ai vu que les meubles sont sur place et en train d'être montés. Et il m'a été signalé que même les grands meubles qui ont été commandés depuis, il y a eu, et on a dû arrêter effectivement pour les mettre sur place. Ça, à mon avis, ça signale l'état vraiment d'engagement des autorités pour la débrouiller de ce procès. Et aujourd'hui, en ayant conclu ma visite, je peux dire fermement. Je peux délivrer le message de satisfaction par rapport à ces défis logistiques, à ces défis des infrastructures. Et à mon sens, je suis le point d'être totalement relevé. Donc, j'ai également eu le plaisir de rencontrer des magistrats qui doivent être en formation au niveau du centre de formation judiciaire. Et c'est dans ce lot que seront choisis les magistrats qui vont devoir instrumenter pour ce procès. J'ai même pu parler, et vraiment, je vois que de ce point de vue aussi, un des ingrédients majeurs dans la préparation de ce procès aussi est tout à fait en place. Donc, tout ceci pour dire vraiment que, après une longue attente, vraiment, je pense que l'horizon s'éclaircit. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que je l'ai rappelé hier, que quand il y a des crimes de masse, quand il y a des crimes de cette nature, tout le monde regarde vers la CPI. Mais la CPI, pour ceux qui comprennent réellement son fonctionnement, n'a pas vocation à être le gendarme du monde qui se substitue dans nos juridictions nationales. C'est vraiment quand les juridictions nationales sont en faillite, comme je l'ai rappelé hier, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité, quelle qu'elle soit, peut-être qu'elle soit, ou bien que quand il y a une mauvaise volonté manifeste de rendre justice, que la CPI entre en scène. Nous avons eu un long compagnonnage, parfois difficile, mais en fait, où était quand même, les jalons ont été posés. L'affaire, l'instruction a été menée. Finalement, de bout en bout, les mises en cause ont été renvoyées devant le tribunal et maintenant nous sommes dans ce que je peux appeler la dernière ligne droite. Cette dernière ligne droite, c'est le procès. Les locaux qui doivent l'abriter sont vraiment presque achevés, je dois dire. Le président avait, je crois que c'était le 14 juillet, fait une déclaration majeure qui avait fait écho juste chez nous, c'était de dégager un horizon par rapport à un chronogramme ou par rapport à ce qu'on appelle un deadline, en disant qu'il faut que ce procès se tienne avant la date anniversaire du 28 septembre. Donc, immédiatement, le procureur Caritat s'en est saisi de cette déclaration pour faire un courrier. Pour prendre acte de cette déclaration forte et pour écrire aussi un courrier au président de la tradition en disant voilà, à coup prenant, j'envoie le procureur adjoint pour qu'il vienne voir l'état de préparation et que nous sommes là aussi pour accompagner ce processus. Et c'était ça l'objet de ma visite et cette visite qui se conclut aujourd'hui aboutit à une déclaration de satisfaction par rapport à ce que nous avons vu. L'engagement des autorités ne souffre pas de ce que nous avons. L'état des infrastructures qui doivent abriter le procès, ça ne fait aucun doute par rapport à ce que nous avons vu. Bon, maintenant, le procès doit se tenir.
Non, ce que j'ai comme à dire aujourd'hui, c'est que l'ACPI est partisan, surtout son management actuel à duquel il est le président, nous sommes partisans de ce qu'on appelle la complémentarité positive. La complémentarité peut s'exercer de façon facile, c'est-à-dire on l'espère et on constate après qu'ils ne sont peut-être pas capables. Peut-être qu'ils n'ont pas la volonté, alors on récupère le dossier. Mais à la différence de ces complémentarités passives ou indifférentes, nous essayons de promouvoir ce que j'appelle la complémentarité positive. Et cette complémentarité positive, cela veut dire que nous regardons les états, nous évaluons leurs efforts, et ça, au lieu de nous décourager aussi, nous le prenons la main, nous essayons de voir comment on peut les accompagner au mieux, mais j'ai entendu que la justice, la préjustice, la justice naturelle, c'est la justice qui se délivre aussi dans les États. C'est la première de justice. En fait, la vocation des tribunaux nationaux, c'est de juger les États nationaux. Le président en a fait un credo, et ce credo n'est pas du tout gênant pour nous, au contraire. Ce credo, quand il dit la Guinée d'abord, où les affaires des Guinéens doivent être réglées par les Guinéens, c'est exactement ça qui est au cœur aussi du statut de l'homme. En fait, le statut de l'homme donne la priorité aux instances nationales. Et aujourd'hui, devant les efforts que nous avons vu qui ont été réalisés, nous sommes extrêmement satisfaits. Et bien entendu, nous réitérons maintenant notre engagement à aller de l'avant avec les autorités judiciaires aussi. Donc, si j'ai visité mes partenaires, j'ai déjà vu que la Guinée n'a attendu personne pour organiser ses propres séances de formation, qui sont déjà en cours et qui vont continuer juste peut-être vers le 15 ou vers le 16. Pour parler des partenaires aussi, il y a beaucoup d'offres, y compris même la CFI, pour faire des renforcements de capacité aussi. Nous serons là pour cela. D'autres partenaires aussi m'ont indiqué, parce qu'il y a par exemple le système des Nations Unies qui s'était engagé dans cela depuis très longtemps, il y a d'autres partenaires aussi privilégiés. Et donc tout cela, en fait, va créer des synergies qui, nous l'espérons tous, vont rendre possible la tenue d'un procès effectif, d'un procès équitable. Et nous serons là pour suivre maintenant ces étapes-là. Et ce que je peux indiquer, c'est qu'aujourd'hui, une fois que la date, nous avons des indications relativement claires par rapport à la date, mais une fois confirmée, nous sommes déjà dans la préparation pour que le procureur en chef, Karim Khan, vienne ici également pour réitérer ce message de soutien. Peut-être préparer aussi un accord avec les autorités pour voir comment on va accompagner le déroulement de tout ce procès-là, au terme duquel, avec fierté, on pourra rendre aux yeux du monde ce que l'Afrique a déjà fait avec le procès après, en disant que le procès des événements du 28 septembre, voilà, il a été rendu en Guinée, au bénéfice des Guinéens et par des acteurs guinéens. Même si, en fait, tous les amis et partenaires de la Guinée, en fait, auront essayé aussi d'être partie prenante à cette aventure douloureuse, mais que maintenant tout le monde essaie de voir au mieux comment on peut faire ce chapitre-là pour davantage consolider la réconciliation en Guinée. Voilà en quelques mots ce que je tenais à partager avec vous tous, bien entendu avec la contrainte de temps qui est maintenant la nôtre, parce que nous sommes dans la fin de cette mission. Ce sera avec plaisir, bien entendu, que je réglerai cette question et que je répondrai. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Par contre, le décor est suffisamment bien planté. Mesdames et messieurs, nous allons partir rapidement, parce que je crois qu'il a rappelé. Il y a une question de temps qui se pose à nous. Nous allons prendre 5 questions. Nous allons prendre 5 questions.
Et sur le projet de repentance, est-ce que vous sollicitez répondre à cette question? Est-ce qu'il faille le faire automatiquement ou bien vous allez les enregistrer? Je préfère les enregistrer et peut-être parfois. Si bien, Traoré. Vous pouvez aussi relever sur feuille. Vous pouvez vous relever sur une feuille et déposer. On va éviter beaucoup de déplacements parce que vous savez, il y a d'autres qui viennent. Bonjour, moi c'est Fouka Bali, journaliste à l'ATV, service web et amateur de l'émission de l'Union de la Sabari FM. Ma question s'adresse au procureur, monsieur. Hier, vous avez fait un déplacement pour prendre des informations sur les différentes étapes mises en place par les autorités pour l'organisation de ce procès qui est en débat au sein de la nation. Du côté des inculpés, hier, nous avons reçu l'avocat de l'une des personnalités les plus concernées par ce procès, par les victimes d'inculpés, qui nous a confié que son client ne va pas comparaître à ce processus trois fois, c'était le 26, parce que tout simplement, ce dernier serait dans l'un des actifs de santé. Est-ce que les autorités judiciaires de la Guinée vous ont fait l'état des personnes qui doivent prendre inculpé dans ce projet, leur état de disponibilité? Merci beaucoup. Et encore une petite précision, comme le procureur l'a rappelé, il faudrait garder un œil là-dessus. C'est la Guinée qui organise le procès. Donc, en posant la question, j'essaie de tenir compte de cet aspect. Voilà. Deuxième personne. Qui d'autre? Okay. Les questions doivent être axées principalement sur la mission de la CPI. Bonjour. Le même scénario, il faut dire ainsi.
étant donné que vous avez dit que vous allez apporter votre expertise au côté judiciaire. Je pense qu'on va prendre le point maintenant. Donc voilà, je crois que on a apporté une série de questions. Donc l'intérêt du choix de les regrouper, c'est parfois certains par exemple sont au delà de la. Comme j'ai indiqué, en fait, ce sont les Guinéens qui organisent le procès. Donc, il y a une date qui a été évoluée. Donc, en fait, on va voir. Et bien entendu, nous, on sera là quand la date sera confirmée. Bien entendu, la CPI sera bien là. Et vous avez aussi parlé du suivi. Effectivement, la CPI aussi s'intéressera à ce point. J'ai parlé dans les MOU que le procureur a l'intention même de signer avec les autorités justement pour assurer aussi le suivi de ce procès-là. Donc la CPI sera bien là. Bon, bien entendu, il y a certaines questions qui vont dans le détail du management du procès pour lesquelles je n'ai ni les moyens, ni ne suis habilité d'ailleurs à y répondre. Par exemple, l'indisponibilité d'un inculpé, est-ce que la date, par exemple, des actes qui auraient été faits pour savoir si la date est tenable, etc. Je pense que ça, ce sont les acteurs qui vont évoquer ça au jour de l'audience et il y aura une réponse judiciaire à toutes ces questions. Bon, ce que je peux dire, et je crois que je l'ai déjà dit, c'est qu'en fait, le management d'un procès, en fait, est aussi une aventure continue. Et au fil du procès, il y a des incidents de procédure, etc., que les juges sont amenés à régler eux-mêmes. Bon, bien entendu, comme j'ai dit ici, la CPI sera là. Bon, bien entendu, la CPI sera là, mais quelqu'un a posé cette question qui est presque de la provocation en même temps par rapport en fait à tous ces accusés politiques qui, à l'issue de notre procès, ont été acquittés. C'est aussi ça le procès. On ne parlerait pas du procès si le résultat est joué ou est connu d'avance. Dans l'opinion, parfois, en fait, il y a des coupables tout désignés. Mais il faut bien qu'on se réserve à accepter aussi les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que parfois, nous, citoyens, nous nous formons une opinion. Mais le mécanisme judiciaire de responsabilité, c'est-à-dire la vérité judiciaire, c'est la vérité qui résulte de la preuve apportée devant les juges. C'est ça la vérité judiciaire. Il y a plein de choses qui arrivent dans le procès, en sorte que peut-être ces preuves-là n'ont pas été mises à la disposition des juges de façon suffisante. Mais là, chaque procès aussi a sa réalité. C'est pourquoi on a un procureur et parfois on a des juges qui recherchent les preuves et qui les soumettent aux juges, qui les regardent en toute indépendance. Donc moi je pense que ce que je peux dire ici, c'est que l'aide n'est jamais une obligation de résultat. Et comme l'expérience même de la CPI l'a montré. Mais ça, en fait, la CPI n'a pas à rougir. Avoir, par exemple, des personnes accusées au point, et qu'il y ait des juges indépendants qui regardent les preuves en disant pas que personne n'a rien commis, mais que ces personnes qui sont devant elles, par rapport au mécanisme de responsabilité, en fait, on n'est pas convaincu qu'elles soient coupables. Je pense que ça, c'est à l'honneur de la justice. Donc, nous apporterons en fait notre soutien, notre aide. Mais en fait, aucun procès au monde ne doit être joué d'avance. Parce que sinon, on ne l'appellerait plus un procès. Il y a une question relative à l'indemnisation des victimes, mais je pense effectivement que ça, c'est encore au cœur. Je crois que c'est hier, quand je parlais avec monsieur le secrétaire général du conseil, du gouvernement, ministre secrétaire général du gouvernement et madame le secrétaire général, que parmi les textes à parachever dans les jours qui viennent, je crois qu'il y a bien un texte lié justement à cet aspect de l'indemnisation des victimes. Donc, bien entendu, on en a
effectivement parler. Donc voilà, voilà, nous sommes donc, en fait, ce que je peux donner comme réponse par rapport à ce lot de questions qui m'ont été posées. Donc la date, elle sera fixée par les Guinéens. Donc nous, une fois que nous est confirmé, nous serons là au plus haut point avec le procureur candidat. Et puis ensuite, notre soutien aussi sera là. Et je voudrais encore une fois profiter vraiment de ce moment solennel pour remercier les autorités pour la qualité de l'accueil. Et bien entendu, madame la secrétaire générale, vous serez la première à citer dans cette qualité de l'accueil. Comme j'ai dit, peut-être à mon correspondant, monsieur le ministre de la Justice, vous lui direz ce message qu'il a beau être absent. Mais vraiment, on n'a ressenti aucun vide lié à son absence. Parce que vraiment, les autorités que nous avons encore une fois vues ici, madame le secrétaire général, monsieur le ministre, le secrétaire général du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères qui s'est associé à la réception quand le premier ministre nous a accueillis, jusqu'au chef de l'État, vraiment, on nous a réservé un accueil pour lequel je souhaitais encore une fois exprimer la gratitude de la Cour. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions différentes, sinon je tenais encore une fois à vous remercier tous de votre déplacement et de votre intérêt qui porté à la gestion de ce dossier. Traoré. Oui. Monsieur le Président, y a-t-il une question encore? Il y a l'autre là, tu vois. Une question. Bonjour, monsieur Nian. Bonjour, madame Sam. Journaliste aussi d'information, Kinemania. Alors, question ou précision, est-ce que la CPI assiste financièrement les institutions judiciaires nationales pour l'organisation d'un procès? Merci. La réponse est non. Donc, la CPI n'assiste pas financièrement. Donc, on peut assister effectivement au renforcement des capacités, notamment par des pays. Il y a aussi une requête que nous examinons par rapport à même une visite par les professionnels guinéens à la CPI pour dans le cadre d'échanges d'expérience. Mais la CPI donc, n'apporte pas une assistance financière. Et c'est ici aussi le lieu de saluer ce qui a été fait. Et j'étais ce matin encore dans une réunion au PIS, et tous les partenaires financiers le saluent également. Le fait que ce qui a été construit de si grande envergure et sur les ressources propres de la Guinée, moi je pense que c'est quelque chose de nouveau. Pas seulement d'ailleurs en tant que CPI, mais en tant qu'Africain. Je pense que c'est quelque chose dont on doit être fier. En Afrique, on a souvent cette tendance à trop et à tout attendre des bailleurs de fonds et des étrangers. Donc, moi, en tant qu'Africain, étant venu ici, ayant vu ce standard de ces locaux, et surtout, ayant été briefé que tout cela sort des dignités, ça m'a fait chaud au cœur. Et ça, quand même, je dois le dire. Encore une fois, je pense qu'à ce propos-là, vous méritez de vous féliciter. Voilà. Encore une fois, merci à tous d'avoir été ici. Je vous remercie tout à l'heure. Merci, M. le procureur.